Bonjour, bienvenue sur Route Léger, la chaîne spéciale scout. Aujourd'hui, nous sommes sur la map Westfield. Je suis avec mon Lynx 6-6 en platoon avec Mr. Rob qui est en Tiger P. Et nous combattons contre du tier 10. Nous avons la compo comme j'ai eu dit à une vidéo antérieure où il y a deux tier 10. J'avais pas vu ça. Et bien, j'avais pas trop vu ça, et ben là, ça fait deux fois que je suis confronté à ça. Un replay que je vous ai passé, et donc cette vidéo, je sais pas si ça va arriver de plus en plus. Voilà, donc je fonce comme vous le savez, je vais tout le temps côté lourd quand je suis avec un léger ici, sauf quand j'ai par exemple un char un peu plus rapide, un scout plus rapide, je vais là où va le T49, regardez sur la minimap, voilà, tourelle comme le. TC44 Lite ou compagnie. Donc j'avais éclairé un petit peu là le Tiger P là-bas qui est un petit peu à découvert, en prend plein la tête. Allez, Tiger P disparu, je me replie. Le T10 est là. Il y a un Grand Wagon tier 10 qui s'est bien placé naturellement. Allez, mobilité du char à utiliser en permanence. C'est bon. Hop, il m'a loupé. Rita. Par contre, l'essu 130 qui est au fond, lui, ne m'a pas loupé. Allez, on répare le moteur. En plus, il a la Gold, ça va mieux. C'est normal, je suis un char premium. Notre T30 se replie, il est un petit peu à poil aussi. Voilà, Hop tape avec l'artiste côté lourd naturellement. Ça va bien. Nous avons quand même un IS-7 et un E-100. Voilà, quand même, le T10, ça va un petit peu. Ah là, là, il a pris mal. Impeccable. Par contre, il m'en veut, il m'aime pas. Je me replie. Oups, là, un T54 Lite. C'est bon, il est mort, lui. Je vais pouvoir m'occuper du light. Il vient de tirer. Oh ben, m'avait bien annoncé que l'obus était parti. Ah, par contre, il a tiré, il a rechargé vite. Hein. Allez, help. Allez, une autre, je vais me cacher derrière la colline. Il m'a loupé. Et il est plus là, super. Allez, on peut revenir aider les lourds, tranquille. Le salut a décidé de contourner. T10 à 174 de PV. Mais c'est pas pénétré, des fois ça veut pas, hein. L'inconvénient manque un petit peu de peiné, hein, ce char, comme je vous ai déjà dit. Hop là, s'il te plaît, arrête de bouger. Voilà, hein, pénétration de 182, conduit tier 10, c'est un peu léger à chaque fois. Allez, on y revient, hein, le but du jeu. Hop là, bien sûr, il est mort, on va prendre le Grand Wagon. Pas pénétré, le 50 TP. Voilà, vraiment, j'utilise la mobilité, j'essaye de me camoufler le plus souvent possible. Allez, celle-là est passée. Il m'en veut, hein, il aime pas, hein. Petit moustique comme ça qui tape les rochards, hein. Félin a sorti ses griffes, dirais-je. Petit lynx. Alors là, je temporise parce qu'à force de faire les allers-retours, ils m'attendent s'il faut. Il faut pas oublier qu'il y a une télé derrière. Voilà. Allez, là, pareil. Peut-être un shootable. Ça vaut le coup d'essayer de le sortir. Hip, hip, je suis pas là. Et vous voyez, là, quasiment de face, je l'ai. Alors là, par contre, voilà, hein, la bêtise du siècle, des fois. Et ça passe, j'ai de la chance là-dessus. Allez, j'ai verrouillé, j'ai pas tapé. Ça veut pas, hein. Et par contre, là, j'ai de la chance, il me fait qu'une traque, il aurait dû me sortir. Je retente un deuxième, mais bon, vous me doutez bien. Faut pas arriver, hein. Orb m'a dit qu'il était dessus, donc il n'y a pas de souci. Je vais temporiser, je me plaque un petit peu de l'arty. Voilà. Allez, hop, l'obus, super, merci. Allez, c'est parti. Voilà.
jouer à l'équipe, des fois c'est utile. Allez, le 700, le 268 plutôt, je crois que c'est qui est au fond. C'est ça. Le 263, pourquoi 268? Alors quand tu veux, hein, vous voyez, ça pénètre longue portée, très bien. Bon, un TD de flare est un peu plus fragile, mais quand même. Alors quand il m'a spot, hein, ça m'embête un peu. On va essayer de se repositionner. 7-8, partie très serrée. Hein, on a un P. Ah, c'est le méchant qui m'a cassé. C'était le méchant qui m'avait cassé le moteur. Plus. Allez, on va essayer de viser. Hein. Ah oui. Ouais. Sur le coup, j'ai cru que c'était moi. 142. Ah ben non, c'est haut. Faire une traque au moins. Non. Ah, caché. Le V qui arrive. Ça y est, on m'a vu. Il était en spot. 12 tonnes là-bas. Et côté léger light, ça lâchait, hein, faut pas dire. Hein, moi, j'étais pas trop du bon côté, mais il faut dire que de notre côté, on avait le T54 light ennemi aussi. Donc, voilà. Là, par contre, il me spot, hein, ça c'est pas cool. Temporise, saute, temporise. J'aurais dû viser, là, je suis resté en autolock. Et alors là, c'est la blague, hein, au moment où j'appuie. La fuite, nous avons pris un tout petit peu l'avantage, mais bon, on peut pas dire qu'on a gagné. Hein. Là, je spot, ça me plaît pas du tout. Allez, on va essayer de faire un peu de proxy. Il est où ce 12 tonnes? Ah, le voilà. Mister Rob, je vous attends. J'ai peur aussi du splash d'Artim. Hein. Cela, logiquement, il peut me sortir. Hein. C'est parti, de sa mère. Voilà. Et nous avons le Panther 2 qui a décidé de rush. Pourquoi pas. Mais bon, je sais pas si c'était la meilleure idée. Et il me reste un obus standard, après de la gold et que l'explo. Je n'ai pas trop sorti l'explosif au début, puisque bon, j'étais sur les lourds en tier 10, tier 8. Allez. C'est parti. Là, par contre, sa bataille sec sur la base ennemie. Je décide d'aller aider. Mobilité du char. Vous voyez, vous traversez la map en 10 secondes. C'est super pratique. Arty. Je me cantonne à sortir l'Arty. C'est une LV. Je ne sais pas si elle avait tiré ou pas. Mais en cas qu'elle ait envie de me péter le défendeur, ça c'est fait. Allez, un T44. Non, je suis passé à la gold. J'ai décidé de ne pas changer. La partie est serrée. J'aurais pu mettre de l'explos, mais tant pis. Allez, bah une traque. Ça valait le coup d'avoir de la gold. Et là, je suis dans l'angle de la maison. Je suis vert. J'aurais pu le sortir 6 fois avant. Cette fois-ci, il est passé. Ah, le défendeur fait une belle partie aussi. Moi, je loupe des tirs que j'aurais pas loupé. Ah non, c'est pas vrai, c'est caché. C'est pas bien. Il est bien caché, hein. Alors, on va essayer de le trouver. Portée de vue, pas tellement maximale à ce char, donc on va foncer un peu. Je ne vais pas trop me donner, on ne sait jamais. Hein, avec 250 PV, l'alpha... du HWK30 voilà, peut-être me sortir, donc on va rester
sage. Je contourne, je ne le vois pas. Il a dû repartir vers la colline. Ah, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ah oui, il n'a pas aimé l'artie. Bon, je dis que quand même, bon, il a fait master sur cette bataille, donc je pense qu'il a fait ce qu'il a pu, mais. Les mecs sont pas contents. Ah, Mister Rob, non, il était pour moi. Allez, bataille terminée. On va regarder les résultats. Donc, les résultats de bataille. Je finis ainsi une maîtrise classe 1. Je fais tirer pour détruire combattant connu. Je spotte que 3 charmes, on va dire. Je fais 1300 d'assist. Voilà, c'est le dernier. J'ai eu droit à un bounce. C'est ça. Je fais 7 dégâts critiques, 2491 de dommages donc, et 4 kills. Voilà, je finis deuxième de la team. Mister Hobb finit premier, le premier, troisième avec une master. Hein. Il fait master avec son char, soutien, mais là il soutient. Il fait 2 kills, 2254 de dommages, 15 tirs, 7 au but, 14 par explosion, une purée, donc il est tout placé quasiment, 2254 de dégâts, 10 véhicules endommagés, 2 de détruits, voilà, les étourdissements, grâce à lui, on fait 2557 de dégâts, bon, il a quasiment pas bougé, naturellement, moi je fais 26 tirs, 20 au but, 12 peinés, un petit peu de mal hein, avec ce canon, un peu léger pour ses chars. Explosion 1, puisque naturellement j'ai sorti de l'explos à des moments. Je reçois 3 tirs, 2, 1 bounce, hein, c'est très important. Véhicule 9 endommagé, 4 de détruit et 1300, comme j'ai dit, un peu plus de 1300. Je fais quand même 9 km, je n'ai pas arrêté de me déplacer. On peut féliciter le défendeur aussi qui fait 4133 de dommages et 1308. Alors je sais pas si lui aussi a à la master, hein, puisque moi, vous voyez, c'est aléatoire. Hein. On reçoit la master avec 1100, moi je reçois que niveau 1 avec 1200. Bon, ça dépend de la cote des chars. Mais bon, il a très très bien joué. 24 tirs, 15 obus, 10 pénés, 4100 de dommages, 1990 de boots, 626 d'assist ou de spot, et 1 km 84, puisqu'il descend quasiment jusqu'à leur base. Voilà, partie sympa. J'espère que vous aurez apprécié ce pelot avec Mister Rob et moi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie commentée. Ciao, ciao!